Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas, ils vont répondre ou pas. Le son est coupé. Activez le son. Je commence à voir si le tennis m'a fait ou alors qu'il y a un son participant. C'est bon. Voilà, ça, c'est très veuillez déplacer cette fenêtre loin de l'application partagée. C'est bon, normalement, je peux commencer. Est-ce qu'il m'a fait ou alors? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Veuillez tout. Admettre tout. Lahna. Donc, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, donc on peut commencer. D'accord, donc donc la communication elle est partagée, c'est bon. Hada, je parle. Ou Hada, salut. Non, non. Ok, ça me dérange. Je ne ferme pas, Hada. Non, c'est bon. Vous avez le tout à l'heure, ils m'ont répondu. Oui, Khalif. Ah, oui, ok, C'est bon, d'accord, merci. Donc, c'est bon, je peux vous donc, je vous dis bonjour tout le monde. C'est Dr Behlou, je suis maître assistante en ophtalmologie. On va aborder aujourd'hui la sémiologie oculaire. Tout d'abord, la première partie avec moi et la deuxième partie que vous allez entamer tout à l'heure avec le professeur Boulan. Est-ce que vous m'entendez? On peut commencer? Oui, madame. Madame, le son est bas. D'accord, parfait. Donc, concernant le plan du cours, on a un rappel anatomique. Faible. Madame. Oui. Le son est très faible. Le son est très faible. Oui. Et maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui, madame, ça va mieux. Très bien. Donc, je disais, on commence par un rappel anatomique, le globe oculaire, les voies optiques et les annexes. Après, on va entamer l'examen du malade en ophtalmologie, qui comporte plusieurs chapitres, l'interrogatoire, la mesure de l'acuité visuelle, l'examen au biomicroscope et l'examen de l'oculomotricité. Enfin, on va voir les explorations ou bien les examens complémentaires en ophtalmologie, l'étude des fonctions visuelles, l'angiographie rétinienne, les explorations électrophysiologiques, l'échographie oculaire, la tomographie par cohérence optique et la topographie cornéale. Commençons par le rappel anatomique. Donc, l'œil, comme vous le savez, l'œil a la forme d'une sphère de 23 mm de diamètre. On les définit classiquement. Désolé. C'est bon. Donc, classiquement, on définit à l'œil un contenant et un contenu. Le contenant, il est formé par la superposition de trois tuniques de l'extérieur vers l'intérieur. La tunique la plus externe, c'est la sclérotique. C'est le blanc de l'œil. Elle est constituée d'un tissu conjonctif qui se prolonge en avant par la cornée transparente. Appelée, donc les deux structures sclère et cornée vont former la coque la plus externe de l'œil, qui est la coque cornéosclérale. La tunique intermédiaire, qui est l'UV, elle est formée d'arrière en avant par
La choroïde, c'est une tunique essentiellement vasculaire. Un corps ciliaire dans la partie antérieure, appelé les procès ciliaires, est responsable de la sécrétion de l'humeur aqueuse. Et une partie antérieure, c'est l'iris. L'iris donne la couleur à l'œil. C'est un diaphragme circulaire perforé en son centre par un orifice, c'est la pupille. La partie la plus interne, c'est la rétine. Donc c'est la rétine ou bien c'est la couche responsable de la fonction visuelle. Elle est constituée de deux tissus. La rétine neurosensorielle qui contient les cellules photoréceptrices, donc les cellules visuelles proprement dites. On a deux types de cellules, les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets. Et un épithélium pigmentaire sur lequel repose la rétine neurosensorielle. Le contenu maintenant, le contenu de l'œil est constitué par des milieux transparents. Il faut savoir la caractéristique d'un milieu transparent, elle est très importante pour la fonction visuelle et toute perte de la transparence va engendrer systématiquement une perte ou bien une diminution de l'acuité visuelle. Donc, je suis en train d'admettre les autres étudiants. Donc, le contenu, ces milieux transparents vont permettre le passage des rayons lumineux jusqu'à la rétine. On a l'humeur aqueuse, c'est un liquide transparent et fluide, sécrété par les procès ciliaires et évacué au niveau de l'angle irido-cornéen. Ça, c'est important. Donc, la sécrétion et l'évacuation. Pourquoi ? Car une simple gêne à l'évacuation va provoquer une élévation de la pression intraoculaire, c'est-à-dire le tonus oculaire. La valeur normale est inférieure ou égale à 22 mm de mercure. Lorsqu'on dit élévation de la pression intraoculaire, on dit maladie grave du nerf optique, maladie chronique du nerf optique, qui est le glaucome. Ça, c'est une petite parenthèse. Le cristallin. Le cristallin est une lentille biconvexe, convergente, capable de se déformer et de modifier ainsi son pouvoir de convergence. Cette caractéristique va permettre le passage de la vision de loin à la vision de près. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Donc, l'accommodation est nécessaire pour la vision de près. Le corps du vitré maintenant, c'est un gel transparent entouré d'une fine membrane appelée la hyaloïde. Ce corps vitré remplit les 4/5 de la cavité du globe oculaire. Donc, le globe oculaire est classiquement divisé en deux régions. Vous entendez parler du segment antérieur et du segment postérieur. Le son est aussi faible, c'est faible toujours. Vous m'entendez? C'est clair? Oui. Est-ce que le son est toujours faible? Non, madame, c'est clair. C'est clair, parfait. Donc, je disais, le globe oculaire est classiquement subdivisé en deux régions. On a le segment antérieur. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend la cornée qui est transparente, l'iris qui donne la coloration à l'œil, la chambre antérieure. La chambre antérieure, c'est un espace optiquement vide situé entre la cornée en avant et l'iris en arrière. On appelle ça la chambre antérieure, dans laquelle baigne l'humeur aqueuse. L'angle irido-cornéen, c'est un angle formé entre l'iris et la cornée. C'est à son niveau que s'effectue l'évacuation de l'humeur aqueuse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le cristallin et le corps ciliaire. Ça, c'est l'ensemble des structures qui forment le segment antérieur de l'œil. Maintenant, le segment postérieur. Le segment postérieur, il comprend la sclère, la sclère en arrière, la choroïde, la rétine et le corps du vitré. Bon, voici une représentation schématique du globe oculaire. Donc, on a l'iris, c'est ce diaphragme circulaire perforé par la pupille. Ça, c'est le cristallin, la lentille biconvexe que je vous ai montré. La sclère, la choroïde, c'est la couche intermédiaire. Et la couche la plus interne, c'est la rétine. En arrière, on a le nerf optique. En avant, le prolongement, c'est la cornée qui constitue un prolongement avec la sclère. Cette zone de jonction, écoutez-moi, cette zone de jonction entre la sclère qui est opaque et la cornée qui est transparente, cette zone s'appelle le limbe. Sclérocornéen, c'est une zone importante.
Là, c'est une représentation du coup physiologique de la rétine qui montre les cellules photoréceptrices. Après avoir fait un rappel sur le globe oculaire, on va passer aux voies optiques. Les voies optiques, c'est quoi? Ce sont les voies qui permettent la transmission des impressions lumineuses rétiniennes au centre cortico de la vision. Qu'est-ce qu'elles comprennent? Ben, elles comprennent au début le nerf optique. On a deux nerfs optiques, un nerf par globe. Puis, au-dessus de la selle turcique, les deux nerfs optiques vont se réunir pour former le chiasma optique. Je vais vous montrer une image pour mieux expliquer. Je pense que les étudiants qui ont des problèmes, le problème, je pense que c'est un problème, vu que les autres m'entendent très bien. Il faut régler les paramètres. Normalement, le son est clair. Donc, au-dessus de la selle turcique, les deux nerfs optiques se réunissent pour former le chiasma. Des angles postérieurs du chiasma vont partir les bandelettes optiques. Ces dernières vont se terminer dans les corps genouillés externes. De là, vont partir les radiations optiques qui gagnent le cortex visuel situé à la face interne du lobe occipital. Donc, ça, c'est une représentation schématique des voies optiques. Donc, en résumé, les deux nerfs optiques, le chiasma optique, les bandelettes optiques qui se terminent au niveau des corps genouillés externes, puis on a les radiations optiques qui se terminent dans le cortex occipital visuel. Maintenant, pour le système oculomoteur, on a un système oculomoteur et un système de protection. Le système oculomoteur, l'œil peut être mobilisé dans les différentes directions du regard grâce à l'action de 6 muscles striés. On a 4 muscles droits et 2 muscles obliques, donc 6 muscles pour chaque œil. Toute l'innervation des nerfs oculomoteurs. On a 3 nerfs, le 3, le 4 et le 6. Pour le 3, appelé aussi le nerf oculomoteur commun, il innerve le muscle droit supérieur, le droit médial ou interne, le droit inférieur et l'oblique inférieur. Le 4, ou bien le nerf pathétique, il innerve le muscle oblique supérieur. Et le 6, qui est le nerf oculomoteur externe, il innerve le muscle droit externe. Concernant l'appareil de protection du globe oculaire, le globe est protégé par les paupières, la conjonctive qui tapisse la sclère et se réfléchit au niveau des cul-de-sac, donc c'est-à-dire à la face interne des paupières, et le film lacrymal qui joue également un rôle de protection en plus de son rôle de lubrification et de nutrition. Maintenant, on va commencer la partie la plus importante qui est l'examen du malade en ophtalmologie. On commence par l'interrogatoire. Donc, lorsque vous abordez votre patient, vous allez rechercher la nature du trouble visuel. Pourquoi le patient consulte? Le plus souvent en ophtalmologie, le patient consulte pour une baisse de l'acuité visuelle. Cette dernière peut intéresser la vision de loin et ou la vision de près. Il peut consulter également pour des anomalies de la vision des couleurs, pour des dyschromatopsies par exemple, ça c'est éventuellement rare. La sensation de fatigue visuelle, qui est un signe très fréquent, elle peut révéler par exemple une amétropie, un vice de réfraction non corrigé. D'autres signes peuvent être plus importants, comme par exemple la perception de mouches volantes. Il vous dit, docteur, je vois une mouche et elle bouge lorsque elle bouge avec la direction du regard. Ce signe fonctionnel s'appelle les biodésopsies. Un autre signe important aussi, c'est la perception par le malade d'éclairs lumineux, appelés les phosphènes. Ces deux signes, les biodésopsies et les phosphènes, sont souvent des signes bénins, mais parfois peuvent être annonciateurs d'un décollement de rétine. Donc, si le patient consulte pour une biodésopsie ou pour des phosphènes, on doit impérativement examiner le fond d'œil. Autre symptomatologie, exemple la déformation des lignes droites qui apparaissent ondulées. Donc, il vous dit, je vois une image déformée, une image ondulée. Ça, c'est les métamorphopsies. Plus rarement, l'image ne sent pas ondulée, mais plutôt une modification du volume de l'image perçue par le patient. Il décrit une macropsie, l'image apparaît plus grande, ou une micropsie, image plus petite. Il faut savoir que ces trois types de déformations témoignent d'une atteinte maculaire rétinienne. Autre signe, une gêne en vision crépusculaire, c'est-à-dire la vision nocturne, c'est l'héméralopie.
Ce signe oriente vers une pathologie appelée la rétinite pigmentaire ou bien la rétinopathie pigmentaire. Il peut consulter également pour une anomalie du champ visuel. Concernant le champ visuel, il peut venir vous voir pour un scotome central, qui est la perception d'une tache noire au milieu de son champ visuel. Ou bien carrément une amputation du champ visuel périphérique, qui peut être monoculaire, c'est-à-dire touche un seul œil, ou bien les deux yeux binoculaires. Donc, scotome central, c'est la perception d'une tache noire au centre de la vision. L'amputation, c'est carrément une partie du champ visuel qui n'est pas perçue par le patient. Après avoir précisé la nature des troubles visuels, ah oui, le cours est, bien sur la plateforme, je vous ai mis le cours, la présentation PowerPoint, comme ça vous pouvez consulter surtout les images, et je vous ai mis aussi le cours en format Word pour l'imprimer, d'accord? Je l'ai actualisé hier. Donc, le mode d'installation des signes doit être précisé. Soit progressif, généralement, ça évoque une affection d'évolution lente. Exemple, une BAV progressive, surtout chez un sujet âgé, oriente éventuellement vers une cataracte. Des métamorphopsies, c'est-à-dire la déformation des images d'apparition progressive, ça oriente toujours vers une atteinte maculaire, mais généralement, ce n'est pas très grave lorsque l'installation des symptômes est progressive. Le début peut être brutal et ceci évoque une atteinte généralement sévère. Généralement, si le patient consulte pour un symptôme d'installation brutale, c'est une urgence. La BAV brutale est inquiétante. Elle peut orienter vers une occlusion de l'artère rétinienne ou bien une neuropathie optique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une neuropathie optique, c'est-à-dire une atteinte pathologique, fonctionnelle ou anatomique, ou bien les deux à la fois, du nerf optique. Deuxièmement, les métamorphopsies, c'est-à-dire les déformations d'images d'apparition brutale. Là, généralement, c'est inquiétant. Il vous dit, je me suis réveillé, je vois des images déformées, je vois des images plus petites ou plus grandes. Là, c'est une forme généralement compliquée d'une maladie dégénérée. C'est une maladie du vieillissement de la rétine appelée la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la DNLA. Il faut faire attention cependant, car certaines affections sévères ne s'accompagnent d'une baisse de l'acuité visuelle qu'à un stade tardif. Ceci, c'est le cas, par exemple, d'un glaucome chronique ou bien de la rétinopathie diabétique. Intérêt d'un examen minutieux et de la prise du tonus oculaire chez tout patient. De rien. Par exemple, là, vous avez une image. Bon, cette grille, c'est une grille de dépistage d'une atteinte maculaire. Généralement, on la donne aux patients présentant une DMLA, par exemple. On lui demande de faire son examen. Donc, chaque jour, il doit faire l'examen œil par œil et regarder, fixer cette grille. À gauche, c'est l'aspect d'une grille normale. Là, il est sûr que sa macula est intacte, c'est normal, elle est bonne. À droite, par contre, on décrit deux signes. Vous voyez ici la perception d'une tache noire qui est le scotome central et ces lignes droites qui apparaissent ondulées, c'est des métamorphopsies. Là, ce n'est pas bien, donc c'est inquiétant, il doit consulter. Après les troubles visuels, deuxièmement, les douleurs en ophtalmologie. Bon, ces douleurs peuvent être superficielles, exemple un type de brûlure ou de sensations de corps étranger. Généralement, les douleurs superficielles ne sont pas inquiétantes. Elles évoquent beaucoup plus une atteinte cornéenne ou conjonctivale. Par contre, les douleurs profondes, associées à des douleurs irradiées dans le territoire du trijumeau, évoquent beaucoup plus une atteinte plus sévère. Exemple, une uvéite antérieure, c'est l'inflammation de la couche de l'UV, ou bien un glaucome. Troisièmement, la diplopie. C'est quoi la diplopie? C'est la perception d'une vision double. Et donc, c'est un dédoublement de l'image. Cette diplopie peut être monoculaire ou bien binoculaire. Comment la reconnaître? La monoculaire, c'est la diplopie par dédoublement de l'image au niveau de la taille de l'œil atteint, pardon. C'est-à-dire au niveau de l'œil atteint, elle ne disparaît pas à l'occlusion de l'autre œil. Donc, il s'agit d'une pathologie de l'œil atteint. Donc, ça, c'est une diplopie monoculaire. La diplopie binoculaire, par contre, elle n'est présente que lorsque les deux yeux sont ouverts et elle disparaît à l'occlusion d'un œil ou d'un autre. Si je veux donner une petite explication, généralement, la diplopie binoculaire est liée à la perte de parallélisme entre les deux axes visuels. C'est pour ça, lorsque les deux yeux sont ouverts, elle apparaît. Lorsqu'on ferme un œil ou bien l'autre œil, elle disparaît. Généralement, elle se voit dans les cas des paralysies oculomotrices. Ça, c'est une petite parenthèse.
Maintenant, on doit préciser aussi, par l'interrogatoire toujours, l'évolution des signes. On peut avoir une amélioration spontanée ou avec un traitement local, comme par exemple dans les conjonctivites traitées par un collègue antibiotique, une symptomatologie stable, une aggravation. L'aggravation peut être lente lorsqu'il s'agit d'une affection peu sévère ou rapide. Généralement, l'aggravation rapide de la symptomatologie oculaire est un signe de gravité. C'est sérieux. Toujours, toujours, on termine notre interrogatoire en recherchant les antécédents ophtalmologiques et bien sûr généraux, comme dans tous les interrogatoires des autres appareils. Donc, on recherche des épisodes analogues antérieurs, des épisodes analogues dans l'entourage ou bien autres affections oculaires. Après avoir... on passe maintenant à la mesure de l'acuité visuelle. Je répète la diplopie. C'est pas très important la sémiologie. Bon, excusez-moi. La diplopie, je disais, c'est une la perception ou bien c'est le dédoublement de l'image. Elle peut être monoculaire. Monoculaire, il voit double par exemple avec son œil droit. Lorsqu'il ferme son œil gauche, la diplopie persiste. Donc c'est une diplopie d'un seul œil. Elle est monoculaire. Généralement, c'est une atteinte du nerf optique ou bien une atteinte oculaire de l'œil en question. La diplopie binoculaire, par contre, c'est une diplopie qui apparaît lorsque les deux yeux sont ouverts, mais qui disparaît lorsqu'on ferme l'œil droit ou bien l'œil gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perte de parallélisme. Par exemple, il y a une déviation de l'œil droit par rapport à l'œil gauche ou inversement. Lorsqu'on ferme un œil, les axes ne sont plus... la pathogénie du développement de l'image n'y est plus parce que le patient voit d'un seul côté, donc il voit bien, il ne voit pas double. J'espère que c'est clair. Hein. Maintenant, mesurer l'acuité visuelle. Mesurer l'acuité visuelle, c'est très important, c'est une étape capitale dans l'examen ophtalmologique. Il faut savoir que l'acuité visuelle normale correspond à la possibilité de distinguer deux points sur un angle d'une minute. La mesure est couplée à l'étude de la réfraction. La réfraction, c'est le pouvoir réfractif, le pouvoir visuel de l'œil. Il y a des appareils spéciaux pour chiffrer et pour mesurer cette réfraction justement. Il faut savoir que la mesure de l'acuité visuelle est réalisée à deux distances d'observation, de loin et de près. Élément très important, il faut toujours fermer un œil on demande au patient de fermer par exemple son œil droit avec la plante de sa main ou bien avec un cache pour chiffrer l'acuité visuelle de l'œil gauche. Lorsqu'on finit avec l'œil gauche, on passe à l'œil droit. Donc généralement l'échelle de lecture dans l'acuité visuelle de loin, elle est placée à une distance de 5 mètres. L'acuité étant chiffrée en dixième. L'échelle la plus utilisée est l'échelle de Monnoyer, utilisant des lettres de taille décroissante, permettant de chiffrer l'acuité visuelle de 1 dixième jusqu'à 10 dixièmes. Il va la plus grande lettre, donc 1 sur 10. La taille des lettres va diminuer progressivement jusqu'à ce qu'il arrive à voir les chiffres de plus petite taille. Et là, il voit 10 sur 10. D'accord ? De près, l'acuité visuelle de près, il s'agit d'une échelle de lecture qui comporte des caractères d'imprimerie, je vais vous montrer des images, des caractères d'imprimerie de taille différente, placés à 33 cm, qui est la distance de la lecture. L'échelle la plus utilisée est l'échelle de Parinaud. Elle est constituée d'un texte dont les paragraphes sont écrits avec des caractères de taille décroissante. Et on va demander au patient de lire paragraphe par paragraphe. Et la taille des caractères va diminuer progressivement. Comment chiffrer l'acuité de près ? Elle est chiffrée elle est chiffrée en parinaud. On dit P14 jusqu'à parinaud P1,5. Inversement à l'acuité visuelle de loin, plus un dixième, il ne voit pas bien, 10 dixièmes, il voit bien. Dans l'échelle de la vision de près, parinaud 14, P14, cela signifie qu'il ne voit pas bien de près. Plus le P diminue, meilleure est la vision de près. Si je dis mon patient a un P2, c'est l'acuité visuelle idéale pour la vision de près. D'accord. Là, par exemple, à gauche, on a une échelle pour l'acuité visuelle de loin de Monnoyer, donc un dixième, deux, trois, quatre, etc. L'échelle d'acuité visuelle de près, c'est l'échelle de Parinaud, comme je vous ai expliqué, c'est le P14,
les chiffres sont de taille, de grande taille, donc généralement facilement discernables. Et elles vont diminuer progressivement jusqu'à P2. Donc, un sujet normal doit parvenir à lire jusqu'à P2. Là, c'est à 5 mm. L'optotype, donc l'échelle qui comporte les chiffres, s'appelle chiffre ou lettre, peu importe. Donc, l'échelle pour chiffrer l'acuité visuelle s'appelle l'optotype. Donc, l'optotype est placé à 5 mètres du patient. Là, c'est l'échelle de Parino. Donc, c'est le patient qui va prendre le Parino à 33 cm. Et là, on a effectué une correction de la vision de près. Donc, elle doit lire jusqu'à P2 pour dire que la correction est satisfaisante. Pourquoi vous n'avez pas compris la mesure de l'acuité visuelle? De loin, lorsque l'optotype est placé à 5 mètres, le patient va d'abord fermer son œil droit pour chiffrer l'acuité visuelle de l'œil gauche. Donc, il doit lire, comme je vous ai montré. Donc, de loin, on va lui demander de lire les lettres Z, M, O. Lorsqu'il arrive à lire jusqu'à la dernière ligne, il a 10 sur 10 au niveau de son œil gauche, par exemple. Après, il va fermer l'œil gauche pour chiffrer l'acuité de l'œil droit et on va lui demander de lire U, F, etc. jusqu'à 10 sur 10. Ça, c'est pour la vision de loin. C'est simple. Pour la vision de près, généralement, on peut l'effectuer soit les deux yeux ouverts. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Pour la vision de près, c'est l'échelle de Parino. Donc, il doit parvenir à lire jusqu'à P2. C'est clair? Donc, l'optotype de loin et de près. Parfait. Donc, de rien, je vous en prie. Bon, il faut savoir que la baisse de la vision peut être liée à un simple vice de réfraction. C'est quoi le vice de réfraction? C'est une personne qui n'est pas hémétrope. Elle a un problème au niveau de sa vision. Ce problème peut être réglé par le port de verre correcteur. On appelle ça une amétropie, c'est-à-dire plusieurs types d'amétropie, la myopie, l'hypermétropie ou bien l'astigmatisme. Et dans ces cas, normalement, le port de lunettes de correction ramène la vision à 10 sur 10. Donc, on parvient à corriger son vice de réfraction ou bien son amétropie par le port de lunettes. Dans les états pathologiques, la baisse n'est pas corrigée par les verres ou bien par les lunettes. Donc, il y a une anomalie pathologique, il y a un substratum anatomique, il y a une lésion qui explique la baisse de l'acuité visuelle et on doit traiter la pathologie en question pour améliorer la vision. Là, c'est une petite parenthèse. Quelles sont les anomalies de la réfraction? Les métropies, il n'y a pas d'anomalie de réfraction. L'objet placé à plus d'un mètre sera vu correctement par le malade. L'hypermétrope est une réfraction insuffisante. Un point de focalisation, le point va se focaliser en arrière de la rétine, vision floue. La myopie est un globe oculaire trop lent, donc le point se focalise en avant de la rétine. Normalement, vous avez déjà vu ces phénomènes normalement dans la biophysique. Hein. L'hypermétropie, c'est un œil petit, donc la réfraction elle est insuffisante. La vision est floue parce que l'image se focalise en arrière de la rétine. Inversement, pour le myope où le globe il est trop large ou bien trop grand, donc l'image est située en avant de la rétine. L'astigmatisme, c'est une irrégularité du globe oculaire. Certains points sont localisés en avant et d'autres en arrière de la rétine. Et dans ces trois cas-là, le port de lunettes de correction va corriger la vision. C'est quoi la prise Bessie? La prise Bessie, je vous ai expliqué tout à l'heure le phénomène de l'accommodation du cristallin. Justement, ce phénomène va se perdre progressivement de façon physiologique à partir de l'âge de 45 ans. C'est la prise Bessie, perte physiologique de l'accommodation du cristallin avec l'âge. Et donc, à partir de 45 ans, le patient vient vous dire « j'arrive pas à lire, j'arrive pas à voir bien ». Donc, je dois faire un peu vite pour les questions. Désolée parce qu'il me reste 10 minutes, donc je dois faire un peu vite. Hein. Les questions, on les laisse pour la fin de session. Si j'ai le temps, je vais vous répondre. Donc, c'est le syndrome des bras qui s'allongent. Je disais, oui. Maintenant, on passe à une étape importante, c'est l'examen au biomicroscope ou bien la lampe passante. C'est quoi? C'est ça, c'est la lampe passante. C'est un appareil avec un système d'éclairage et un système optique grossissant. Permet l'examen du segment antérieur, comme vous le voyez sur l'image, de l'œil, ou bien d'effectuer l'examen du fond d'œil grâce au verre de contact. Je vais vous montrer par la suite le verre à trois miroirs. Aussi, par le même appareil, donc examiner le segment antérieur, le fond d'œil, et réaliser une mesure de la pression intraoculaire grâce à un tonomètre intégré dans l'appareil, appelé le tonomètre de Goldman. On va faire l'examen du segment antérieur d'abord, plan par plan.
La conjonctive, qu'est-ce qu'on va rechercher? Une rougeur conjonctivale ou bien un œdème conjonctival. La rougeur peut être diffuse ou localisée sous forme d'une hémorragie conjonctivale, prédominant dans les cul de sac inférieurs, associée à des sécrétions évoquant une conjonctivite bactérienne, ou bien prédominant autour du limbe sclérocornéen, c'est le cercle périkératique. Pour examiner la conjonctive palpebrale supérieure, on doit éverser la paupière à la recherche, par exemple, d'un corps étranger superficiel. Quelques iconographies. Là, on a une hyperémie conjonctivale diffuse, une hyperémie conjonctivale au milieu avec des sécrétions, c'est une conjonctivite bactérienne. Et là, on a carrément une tache de sang, c'est une hémorragie sous-conjonctivale. Là, c'est l'examen du cul de sac inférieur. Là, c'est les versants de la paupière supérieure à la recherche de corps étranger. Bon, pour les types d'hyperémie, on a le cercle périkératique, comme vous le voyez sur les deux images en haut. Là, on a un œdème conjonctival, c'est le chymosis. Là, la cornée perd sa transparence, c'est un œdème cornéen. Je suis désolée, on n'a pas assez de temps. Je vous ai laissé le cours en ligne. Vous pouvez le télécharger et consulter les images. Si vous avez d'autres questions, je vous ai laissé l'adresse email. Donc, vous m'envoyez des questions, je vais vous répondre au lendemain, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord, ok. D'accord, donc je ne vais pas faire vite. Vous arrivez à suivre pour le moment. Là, je vous montre juste des iconographies de l'hyperémie conjonctivale. D'accord. Ok. Donc, l'examen de la conjonctive, spécialement, on recherche soit une hyperémie, soit des sécrétions pour orienter le diagnostic, ou bien un œdème conjonctival, c'est le chymosis. L'examen de la cornée. La transparence de la... En examinant la cornée, on va rechercher surtout une perte ou bien une diminution de la transparence de la cornée. Cette diminution de la transparence peut être diminuée de façon diffuse. Exemple, un œdème cornéen, comme je vous ai montré tout à l'heure, cette image. Il y a une perte diffuse de la transparence de la cornée. Ça, c'est un œdème cornéen. Ou bien de façon localisée par une ulcération cornéenne, par exemple. L'ulcération cornéenne est une perte de la substance de la cornée. Là, c'est une ulcération cornéenne. Là, c'est un test à la pleurocéine réalisé dans le cadre d'un ulcère cornéen. Alors, c'est quoi? On va instiller un colorant appelé la pleurocéine au niveau de l'œil du patient et examiner au biomicroscope en passant un filtre au filtre bleu. Donc, c'est la lumière bleue qui va permettre de colorer l'ulcère ou bien la perte de la substance de l'épithélium cornéen en vert. On dit que le test est positif parce qu'il y a une ulcération de la cornée. Là, c'est une perte. Là, généralement, c'est une cicatrice. Hein, c'est ancien. Maintenant, examen de l'iris. Au niveau de l'iris, on va apprécier principalement l'aspect de la pupille. Une pupille en myosis en cas de kératite, par exemple. Une pupille en mydriase oriente vers un glaucome par fermeture de l'angle. L'examen de la chambre antérieure maintenant. La chambre antérieure, on va rechercher plusieurs signes. Premièrement, les signes inflammatoires. Quels sont les signes inflammatoires? Soit la présence de cellules inflammatoires et de protéines en suspension dans l'humeur aqueuse, donc au niveau de la chambre antérieure. Ce phénomène s'appelle le phénomène de Tendal. Donc, Tendal, ce sont des cellules inflammatoires et des protéines visibles après le passage au port de recrutement au niveau de la chambre antérieure. Généralement, ça témoigne d'une inflammation de l'œil, une uvéite par exemple. Ou bien des dépôts de cellules inflammatoires à la face postérieure de la cornée, réalisant des précipités rétrocornéens. Je vais vous montrer des images. Deuxième signe, on peut rechercher des adhérences inflammatoires entre la face postérieure de l'iris et la capsule antérieure du cristallin, réalisant les synéchies iridocristalliniennes. Ces synéchies sont responsables d'une déformation pupillaire. Dans la deuxième partie de la sémiologie oculaire, la deuxième partie, elle va vous expliquer normalement, professeur Boulanet, la pathologie. Donc ça, c'est juste les signes physiques retrouvés et recherchés à l'examen ophtalmologique. La pathologie, vous allez la voir par la suite, tout à l'heure, d'accord? On recherche également la présence de pus dans la chambre antérieure, qui s'appelle hypopion. La présence de sang dans la chambre antérieure s'appelle hyphéma. Donc là, c'est des cellules inflammatoires déposées au niveau de la face postérieure de la cornée, c'est les précipités rétrocornéennes. À droite, on a des synéchies entre l'iris et le cristallin. C'est les synéchies iridocristalliniennes qui se voient en cas d'uvéite, donc la pupille est déformée. Là, c'est la présence de pus au niveau de la chambre antérieure, c'est l'hypopion. La présence du sang au niveau de la chambre antérieure, c'est l'hyphéma. C'est clair? Après avoir examiné la chambre antérieure,
on passe à la mesure de la pression intraoculaire. Donc, mesurer le tonus oculaire du patient ou mesurer sa pression intraoculaire est une étape fondamentale. Donc, étape fondamentale de l'examen en ophtalmologie. Justement, cette mesure peut être effectuée de deux façons. Soit à l'aide d'un tonomètre à applanation installé sur la lampe à fente, soit il y a un appareil séparé qui permet de façon automatisée de mesurer la pression intraoculaire, c'est le tonomètre à air pulsé. Il faut savoir que la valeur normale du tonus oculaire se situe entre 10 et 20 mm de mercure. On parle d'hypertonie oculaire lorsque la pression est supérieure à 22. Le tonus peut être apprécié de façon approximative par la palpation bidigitale. On va poser les deux pouces au niveau de l'œil du patient à travers les paupières fermées et on va palper et comparer avec le deuxième œil pour avoir une appréciation approximative. Donc là, c'est le tonomètre à applanation de Goldman. Donc généralement, il est monté sur un biomicroscope ou bien la lampe à fente. Ça, c'est la mesure de la pression intraoculaire. Pour la prise automatisée, c'est un tonomètre à part. Donc c'est un appareil spécial qui permet de mesurer la pression intraoculaire, appelé le tonomètre à air pulsé. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure par l'air. Donc on va projeter l'air sur la cornée. Et il va mesurer et chiffrer instantanément la valeur de la pression intraoculaire. Donc ça, c'est la mesure de la pression intraoculaire. Toujours dans l'examen du segment antérieur, on termine par la gonioscopie. Alors, c'est quoi la gonioscopie? La gonioscopie, c'est l'examen de l'angle iridocornéen, ou bien la gonioscopie. Elle est réalisée soit à la lampe à fente, donc le malade installé au biomicroscope, on va mettre un verre de contact, qui comporte un miroir. Ce miroir va permettre de visualiser, comme vous le voyez sur l'image, l'angle entre l'iris et la cornée. D'accord ? Donc, l'angle iridocornéen. Ou bien, il y a un appareil spécialisé, c'est le gonioscope automatisé, comme vous le voyez sur l'image. Le patient va s'installer, on va prendre une image directe de l'angle iridocornéen. Maintenant, après l'examen du segment antérieur, on va passer à l'examen du segment postérieur de l'œil, ou bien l'examen du fond d'œil. Examiner le fond d'œil à l'aide d'une lampe à fente en utilisant une lentille ou bien un verre de contact. La lentille, généralement, c'est une lentille interposée entre l'œil du patient et la source lumineuse. C'est une lentille non contact. Par contre, le verre, il va être posé directement sur la cornée et donc c'est un verre de contact. L'aspect d'un fond d'œil normal, il faut savoir que le fond d'œil est divisé en deux parties. Le pôle postérieur, donc c'est la partie centrale de la rétine, et la rétine périphérique. En examinant le pôle postérieur de la rétine, on a trois éléments principaux. La papille, c'est la tête du nerf optique, appelée la tache aveugle à l'examen du champ visuel, donc elle correspond plutôt à la tache aveugle à l'examen du champ visuel. Elle est formée par la réunion des fibres optiques. Comment elle apparaît? Je vais vous montrer l'image. C'est un disque clair, à bord net, présentant une excavation physiologique au fond de laquelle apparaît l'artère et la veine centrale de la rétine. Deuxièmement, les vaisseaux. Les vaisseaux vont se diviser pour vasculariser la surface rétinienne. Comment reconnaître les veines des artères? Il faut savoir que les branches veineuses sont plus sombres, plus larges et plus sinueuses que les branches artérielles. Juste à proximité et en dehors de la papille optique se trouve la macula appelée la fovea. Cette zone, elle est très riche en cônes, qui sont les cellules responsables de la vision des couleurs, apparaissant plus sombres, au centre de laquelle il y a une zone centrale au niveau de la macula appelée la fovéola. Donc là, c'est l'examen du fond d'œil avec une lentille non contact.